Goedemiddag, oui, dames en heren. Bonjour à toutes et à tous. Welcome, bienvenue au Botanique. Quel bonheur d'être là aujourd'hui. Imagine est de retour. We zijn terug na 5 jaar afwezigheid. Is de muzikale wedstrijd, de internationale muzikale wedstrijd Imagine terug. C'est quand même un festival, c'est quand même un concours hors norme puisque c'est tout style confondu pour des jeunes artistes de 13 à 21 ans. C'est un programme qui fait partie des jeunesses musicales internationales qui se passe à travers 3 continents dans 8 pays différents. La Belgique, le Brésil, la France, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Suède et le Zimbabwe. C'est un projet énorme et c'est surtout une occasion pour les jeunes musiciens et musiciennes qui vont se succéder sur scène, eh bien de démarrer une carrière, de faire des rencontres professionnelles et humaines extraordinaires. C'est finalement un concours qui peut changer leur vie. Hier zijn de gekozen finalisten voor Imagine Belgium 2021. Dames en heren, Gloria Diana Maria, Jen, Ventus, Shirokuro, Jens en Isabelle, The Shockheads, Millennial All Style Collective, Marie Maoué et Margot. Tous ces groupes ont pu bénéficier hier d'une journée entière de coaching. Quand je vous disais qu'il y avait vraiment une approche professionnelle et une possibilité de développer ses talents et ses capacités pour que la carrière qui suit puisse être à la hauteur. Aujourd'hui, ils sont sur scène. Hier, ils étaient en coaching. Alors hier, c'était coaching scénique et technique avec la musicienne multi-instrumentiste Alice Van de Voorde et la régisseuse Pascal Snook. Ils ont aussi eu un workshop qui s'est passé ici dans la Rotonde Botanique sur la respiration, la gestion du stress, le mouvement avec Nora El Ali. On va voir et on espère surtout que ça les aura aidés. Et puis, last but not least, puisqu'on ne peut pas se passer des médias et de la communication, coaching, management, press and media. Et ça, c'était avec un ancien lauréat d'Imagine, Aram Santi. Alors, qui dit concours dit jury. We zijn heel blij een heel mooie en gevarieerde jury in de zaal te hebben. Notre jury professionnel est composé du directeur du Centre culturel de Chesnay, Christophe Loyen, on l'applaudit. Les coordinateurs des projets artistiques Court Circuit, Pablo Fleury et Caroline Bertolini. Pour la Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de Molenbeek, Lubna Gaïch. Pour la Semaine du Son, Marianne Binard. En een andere vorige lauréate van Imagine, en dat is de singer-songwriter Milo Meskens. Ik denk dat ik meer dan genoeg heb gepraat. Het is nu tijd om de eerste groep, de eerste bende hier op het podium te verwelkomen. Ze komen uit de Kempen. Het is een alternative pop rock band. Dames en heren, The Shockheads! Meet, I need some advice without a care because I got you. Spice in my pocket there, what you will do. I remember we were on a camping together. They said to me it was dark, the weather. Looking around, all I heard is sound of a broken and my dress was on the ground. I will take care of you, cause nobody sees you after all. Darkness is coming up here, take shelter from. Yeah.
a broken mattress is a prompt for Monday. We're fine now. So what do you want? We all smell the stench off your head, but the last time washing wrong fresh in the wind. Looking around, all I heard is sound of a broken mattress, but still on the ground. We'll take care of you, 'cause nobody sees you after all. Darkness is coming over here. Take shelter from the foggy hail. I will take care of you.
in my mind. Claire voor de eerste interview en ik heb hier naast mij Isaiah van de Chalkheads. Hallo. Hoe was het om de hele dag vandaag te mogen beginnen? Wauw, het was heel fijn. En zeker als opener, amai, een heel enthousiast publiek. Ik ben super gelukkig. Dus vertel ons een beetje over de Chalkheads. Waar komen jullie vandaan? Waarom zijn jullie samengekomen om eigenlijk muziek te maken? Wij zijn dus de Chalkheads. Wij komen eigenlijk uit de Kempen, Herentals, Grobbendonk. En we zijn eigenlijk samengekomen. Eén iemand is begonnen en eigenlijk een lange weg afgelegd van 2016 tot nu. Om tot 2 jaar geleden onze huidige setting aan te nemen. En daar zijn we nu vol een bak mee aan het gaan. En we maken eigenlijk stevige rockmuziek, eigen nummers, covers, alles voor ieder wat wils. Ja, inderdaad. En dat was het ging echt met een knal open. Dat was echt duidelijk. Wat zijn jullie... wat beïnvloedt jullie? Waarom zijn jullie in deze richting gegaan met muziek? We hebben eigenlijk voor rockmuziek gekozen omdat elk lid van de band is fan van, ik noem maar op, Guns N' Roses, AC/DC, Arctic Monkeys, noem maar op. Zo echt zo de goede oude rockklassiekers. En daar zijn we mee aan de slag gegaan en uiteindelijk echt bevonden ons allemaal thuis horen in dat plaatje. En wat is in jullie toekomst? Zijn er interessante en goede dingen op jullie plaat? Ik hoop dat we ooit nog een album kunnen maken, maar wij leven echt voor onze muziek, wij leven voor optreden. Dus eigenlijk ja, promo, overal, Facebook, Instagram, Spotify, The Chalkheads, zoek het op. En we hopen zeker volgen dan. Nog heel, heel veel muziek te mogen maken op een live podium. Well, dat is inderdaad wat ik voor jullie wens. Iets anders toe te voegen? Ja, dank u wel aan heel de organisatie en aan Imagine dat we mochten meedoen, want dat was een zalige kans. Well, heel veel succes voor de Chalkheads. Dank je wel. Dank je wel, Isaiah. Merci. Et donc voilà, pendant qu'on est occupé avec le changeover du premier groupe Chalkheads de cette édition 2021 du Festival Imagine, j'accueille sur mon petit plateau Borsen côté cour le directeur des jeunesses musicales de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Julien Beurs. Bonjour Julien. Bonjour Stéphanie. Heureux d'être de retour. Très heureux d'être de retour. Comme vous l'avez bien expliqué durant la présentation, Imagine est donc une collaboration internationale, un concours qui est organisé par les jeunesses musicales internationales et c'est un concours qui a un volet national dans plusieurs pays. Et donc en Belgique, ça faisait quelques années qu'on n'avait plus eu l'occasion d'organiser ce concours, 5 années précisément, et donc pour nous c'est évidemment un grand plaisir de faire en sorte qu'on puisse de nouveau organiser cette finale belge et tout ce versant belge. Et c'est un plaisir vraiment décuplé dans le sens où après la crise sanitaire qu'on vient de traverser, ben, ça prend encore évidemment encore beaucoup plus son sens et on l'entend hein, dans les prestations aujourd'hui, il y a une énergie, un dynamisme, un enthousiasme et donc je pense que ça fait beaucoup de bien aux jeunes de pouvoir remonter sur scène, de pouvoir se retrouver, de pouvoir redonner du sens à leur groupe musical et à tout ce travail qu'ils ont l'habitude de faire en temps normal et donc pour nous ça fait énormément de sens d'être de retour aujourd'hui.
Le festival, le concours ne s'organise pas tout seul, vous avez une série de partenaires à remercier, je crois. Évidemment, donc pour ce versant belge, c'est une collaboration entre les jeunesses musicales, tant du côté francophone que du côté néerlandophone. Alors évidemment, on est aussi épaulé par GMI, qui est donc les jeunesses musicales internationales. Et on est très ravis que le Botanique a bien voulu se joindre à ce partenariat, à cette collaboration, pour nous accueillir. Et donc, on est, ben, je pense, on ne pouvait pas rêver mieux comme lieu d'accueil. Donc voilà, c'est un partenariat, une collaboration de plusieurs institutions, plusieurs entités. Et on est évidemment soutenu dans cette démarche par différents partenaires, que ce soit la chancellerie du Premier ministre, que ce soit la Loterie nationale, que ce soit la SABAM et encore une série d'autres partenaires. Donc c'est vraiment une aventure commune. C'est une aventure qui fait sens, je le disais, durant cette crise. Et je pense qu'on est tous bien alignés avec cette vision qu'on essaye d'apporter. Et qu'est-ce qui peut arriver aux gagnants de cette grande finale nationale ? Alors le gagnant de cette grande finale nationale aura l'occasion du coup de représenter la Belgique à la finale internationale qui aura lieu première semaine de septembre et qui en fait aura lieu ici aussi. Donc ça c'est une double bonne surprise, c'est que d'une part on est de retour pour cette édition belge du concours, mais en plus la finale internationale a lieu aussi en Belgique cette année et donc on aura l'occasion d'accueillir des jeunes musiciens presque du monde entier, hein, vous l'avez dit, ça vient de différents pays. Et donc voilà, ça c'est l'opportunité qui est offerte aux grands gagnants du concours, à côté d'autres prix qui sont également attribués et décernés. Et ça évidemment, il faudra attendre la remise des diplômes un petit peu plus tard pour savoir de quoi il s'agit. Merci, et en tout cas on croise les doigts pour tous les finalistes qui passeront sur le plateau aujourd'hui. Alors à cause de la crise sanitaire, ça ne s'est pas passé comme les autres années. D'habitude, il y a des finales régionales, une sélection sur vidéo, puis des finales régionales devant un public, et puis seulement la finale nationale. Ici, on a dû malheureusement zapper la finale régionale. Voilà, on s'est adapté évidemment aux conditions de la crise sanitaire. Et donc, les épreuves qui ont lieu avant la finale nationale cette année n'ont pas pu avoir lieu. Donc, on s'est contenté, entre guillemets, d'une expérience en ligne pour sélectionner 9 candidats aujourd'hui. Mais évidemment, dans les années à venir, parce que vous aurez bien compris qu'on revient. J'espère bien, j'y compte bien. L'année prochaine, on essayera de remettre évidemment en place ces versants-là aussi du concours. Et voilà, on croise les doigts, on souhaite évidemment bonne chance à tous ces participants. Ausanne klaar voor de volgende groep, de volgende band. Dit is een popband uit Gent, afkomstig. Mesdames et messieurs, on part, on quitte le rock, on va dans la pop. On accueille maintenant le groupe Ventus, originaire de Gand. Ventus, mesdames et messieurs. Into words would never guess that they were yours. The birds whisper me the way, told me how long you had to wait for me. And my fingertips are frozen, but it won't.
Instead, we should walk away from this gloom. You're the poison I'm not able to breathe. Medication is no option to me. And if we would play hide and seek, you would be the first one seen. Under control, but still playing with fire. No clear answer to what we desire. Comfort zones are killing our time. And if the clock would explode, what if we get tired? Insecurity, the answer to our doubts. Keeping our lips sealed, all those words want to get out. Humanity strangled with all kind of doubts. Only speaking when they have to speak. Aren't you burning to step out? I'll be comfort zone. Oh, I'll be comfort zone. Oh, I'll be comfort zone. Oh, I'll be comfort. Cross the border you could never find. Spot the details of what's kept inside. Approach a prey and catch her at time. What do you have to lose? And I move, will slow you down. Insecurity, the answer to our doubts. Keeping our lips sealed, all those words want to get out. Humanity strangles in all kind of doubts. Only speaking when they have to speak. Aren't you burning to step out? I'll be comfort zone. Oh, I'll be comfort zone. Oh, I'll be comfort zone. Oh, I'll be comfort. I'll be comfort zone. Are we comfort zone? 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 Are we comfort zone?
En ik ben hier heel blij met Emma van Ventus. Proficiat. Hey. Dank je. Hoe voel je je nu? Blij, blij. Ook dat we in de eerste cluster zaten. Het was wel tof om al direct te mogen performen. Dus een vraag over hoe het allemaal begonnen is. Het is eigenlijk als een duo begonnen, Ventus. Ja, wij studeren allemaal. Allee, we zijn nu allemaal afgestudeerd, gelukkig. Proficiat. Aan het MUDA kunstsecundair in Evergem. En daar zat ik eerst met Gonzalo, de pianist en ook de zanger van Ventus. En die kwam dan naar mij. En we zijn dan zijn we als duo begonnen, inderdaad. Maar later, ook met de medemuzikanten rondom ons op school, werd dat wel duidelijk van oké, we kunnen de band nog een stapje hoger brengen. Dus ja, de drummer kwam erbij, de gitarist kwam erbij. En nu zijn we ook zo'n beetje aan het experimenteren met de nieuwe bassist. Dus het gaat vlot. Ja, inderdaad. En wat is eigenlijk jullie muzikale opleiding? Is er, Ik studeer zelf zang. De pianist studeert ook zang, maar hij heeft wel een goede basis piano. En dan al de rest een instrument op MUDA. En wat zijn jullie... waar luisteren jullie naartoe? Wat is jullie muziek? Yeah. Jullie muzikale achtergrond? Wij vinden het tof om te zeggen van... Wij spelen dreamy pop. Dat is ook zo hetgene waar we naartoe willen gaan nu. Dus dan kun je denken aan Portland, The XX. Zulke bands eigenlijk, die hebben allemaal wel een beetje een invloed op de eigen muziek dat we nu aan het creëren zijn, zeg maar. Ja, inderdaad. Op muzikaal gebied voelt het wel van nu, van vandaag. Wat visueel betreft, heb ik echt een gevoel van we zijn terug in de jaren 80. Ik vind dat tof. Voel me jongen. Ja, we besteden altijd ook heel veel aandacht aan de outfits, dus misschien daarom. En wat is de toekomst van Ventus? Wel, we zijn nu vol een bak aan het werken aan een EP. Dus we hebben al een EP'tje uit, maar dat was dus een duo. Nu willen we met de band een iets groter EP uitwerken. En daar zijn we vol bak mee bezig. Dus al een beetje met de tricks aan het samenwerken in Antwerpen. En noem maar op. Dus je kunt ook van ons wel nog later veel horen. Dus ook volgen Ventus Official op Instagram. En gewoon Ventus op Facebook en alle social media. Laat ik wel iets vinden. Heel, heel veel succes voor Ventus en Proficiat. Dankjewel, iedereen. Et nous revoilà sur le plateau côté court pour rencontrer cette fois-ci un des membres du jury. Il représente Court Circuit. Il s'agit de Pablo Fleury. J'avais pas prévu de faire des rimes, je suis désolée. Alors, Court Circuit, de quoi s'agit-il? Pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques mots, qui êtes-vous? Alors, donc moi je représente Court Circuit ce soir. Court Circuit, c'est... une association qui coordonne et représente le réseau des organisations de concerts en Wallonie-Bruxelles. Donc aussi bien des salles de concert, des festivals, des collectifs qui organisent des concerts, etc. Et donc vous voyez défiler des groupes, des jeunes groupes, des groupes plus confirmés toute l'année. Enfin un petit peu moins ces derniers temps, mais ça va recommencer, c'est en train de recommencer. En tant que jury, c'est quoi vos critères ? Il y a évidemment plein de critères et c'est difficile de les mettre sur papier. Avant tout, je pense que de voir la prestation scénique du groupe, l'originalité de la proposition des artistes qu'on voit ce soir, moi c'est surtout sur ces points-là auxquels je fais attention. Mais après, des fois, la magie peut opérer et c'est quelque chose qu'on ne s'attend pas, quoi. Difficile à expliquer pourquoi on va craquer sur un groupe plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qu'un groupe de jeunes musiciens ou un jeune musicien qui démarre aujourd'hui peut espérer trouver dans le paysage belge? Ça c'est une bonne question. C'est une bonne question ça. Y a plein de choses à trouver. En tout cas moi je pense que en tant qu'artiste qui se lance, jeune artiste, déjà avoir la possibilité de se produire sur scène, de sortir de la musique, de réaliser des clips. Je pense que c'est une chance extraordinaire et ça a apporté de plus en plus facilement des jeunes artistes.
D'ailleurs, j'invite peut-être les artistes là ce soir. Ils peuvent aller sur notre site, donc court-circuit.be. Il y a énormément d'infos, de conseils, de ressources pour essayer de mieux comprendre comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut mettre en place lorsqu'on sort un CD, comment s'y prendre pour trouver des concerts, tout un tas de ressources comme ça. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un environnement qui est agréable et facile pour les artistes de vraiment trouver l'information et se débrouiller par eux-mêmes. Là où avant c'était plus obscur, il fallait connaître quelqu'un qui connaissait quelqu'un, maintenant on peut trouver plus facilement toutes les informations à portée de main. Alors je regarde côté scène pour voir, je vois que le groupe suivant est prêt. Donc merci beaucoup Pablo Fleury, bon boulot, ça va pas être facile je pense cet après-midi. Merci Stéphanie. And now for something completely different. On reste à Gand avec le groupe qui est déjà en place. We blijven in Gent, maar ik denk dat wij heel verder gaan reizen. Dames en heren, ladies and gentlemen, Millennial Old Style Collective, Jazz Folk est au programme. Oh.
fallait tellement mieux. Doch Gott, ciao, du dîner du camion, fallait tellement mieux aussi. Joy, bouquet, et je ne joue doch Gott, amane.
Ik sta hier met Tjalt Bakulalai van Millennial Old Style Collective. Proficiat, welkom. Dus een eerste vraag. Jullie zijn met zes op het podium. Ja. Dat is een heel grote bende. Maar ik hoor in jullie naam Collective. Dat betekent dat jullie allemaal van andere muzikale werelden komen? Wel, het concept van onze groep is eigenlijk een verzameling van een groot aantal muzikanten in verschillende stijlen en allemaal in deze nieuwe millennium geboren, dus vandaar ook millennial. En wij zijn met een stuk of 10-20 muzikanten en wij spelen in verschillende bezettingen naargelang de stijl die we dan brengen. Okay, dus wat jullie hier hebben gespeeld en gekozen is maar een gedeelte van wat jullie doen. Ja. En wat ook heel bijzonder was en heel leuk, omdat men hoort niet zo vaak, is dat jullie niet in het Engels of in het Nederlands of in het Frans zingen, maar wel in Romani. Ja. Waarom is het? Wel, mijn grootvader heeft lang bij de Manouche gewoond, bij de Zigeuners. En ik heb zijn liefde voor die muziek en voor die cultuur overgenomen. En dat is ook een zeer belangrijk aspect van mijn jeugd geweest, met dat ik ook, en nog steeds, nu nog altijd, met de Zigeuners in contact kom en samenspeel met hen. En voor mij is het belangrijk om die cultuur verder te zetten, ook al ben ik zelf geen Zigeuner. Maar die cultuur is langzamerhand aan het uitsterven. En die taal begint ook steeds meer uit te sterven en minder mensen spreken die. Dus voor mij is het belangrijk om die traditionele liederen die u nu hebt gehoord verder te zetten en leven te houden. Dus alle stemmen zijn nodig om Romani verder te brengen en leven te houden. Mm-hmm. En is alles wat jullie spelen in Romani, is het een keuze dat jullie gemaakt hebben? Nu voor dit optreden specifiek hebben we inderdaad de keuze gemaakt om alles in het Romanesh te of Romani. Je zegt dat het traditioneel was. Was het hier eigen creaties of traditionele liedjes die zo per se bestaan? Dat zijn traditionele liederen die meegenomen zijn uit verschillende landen waar de Zigeuners hebben gezeten. Veel van die nummers zijn waarschijnlijk meer dan 100 jaar oud. Mm-hmm. En uit verschillende landen, gelijk Rusland, maar ook uit de Balkanlanden en ook uit Duitsland zijn die meegenomen. En die werden eigenlijk van vader tot zoon overgegeven, doorgegeven. En voor mij is het belangrijk dat dat blijft doorbestaan. Dus jullie brengen het publiek in een heel, heel grote reis rond de wereld eigenlijk. Bedankt daarvoor. Wat komt in de toekomst? Of is er iets die een beetje reclame mag krijgen? Voor mij is gewoon het belangrijkste de mogelijkheid om schone muziek te spelen. Mm-hmm. En die schone muziek met zoveel mogelijk mensen te kunnen delen. Wij zijn niet echt van plan om direct een album of zoiets te maken. Maar u kunt ons wel beluisteren op Facebook of op YouTube. Dat gaan we allemaal zeker onmiddellijk doen. Bedankt, Tjalt. Et on continue avec cette grande finale de Imagine 2021 Belgium. On va accueillir une formation jazz pop électro originaire de Dinan. Mesdames et messieurs, dans le sonir, ladies and gentlemen, Margot! Lake in darkness.
was The Phoenix which was performed, and now we will continue with Floods and Clover with Kuan at the piano.
J'ai à côté de moi Margot, qui représente le groupe Margot. Alors sans être grande scientifique, je pense qu'on peut supposer que c'est un groupe qui s'est construit autour de toi. Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé à faire de la pop pendant le confinement, donc toute seule, malheureusement. Et dès que j'ai vu cet événement, je me suis lancée, j'ai contacté plein de musiciens afin de m'accompagner et de vivre le live, enfin, en pop. Ce que je n'ai pas l'habitude de faire, car... Parce que ta formation à l'origine, c'est une formation plutôt en chant lyrique. C'est ça, tout à fait. Je suis étudiante au Conservatoire Royal de Bruxelles, déjà en deuxième année. Je commence à être une soprane qui a envie de se produire. Et ça se passe très bien. D'ailleurs, nous avons tous une formation classique. J'ai puisé dans le milieu que je connais. Et donc, c'était très agréable de changer un peu d'air... pour ça. Mais justement, je me posais la question, ça fait quoi comme sensation? Ça fait une sensation de grand écart ou plus une sensation de récréation? Récréation. C'est très très amusant. Parce qu'on n'a pas cette pression un peu d'athlète qu'on doit avoir en tant que musicien classique. Et surtout, voilà, on est enfin les stars à paillettes qu'on voit dans les films. On peut pour le lyrique aussi. Oui, hein. C'est vrai, des grandes robes de diva, j'en rêve un peu. Donc, voilà. Bon, et alors la suite, c'est quoi? Puisque c'est une toute jeune expérience pour cette formation-ci, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, je suis déjà en train de créer un nouveau single, donc j'en aurai trois, et je vais me dépêcher d'en faire d'autres. J'ai toutes les vacances, et oui, ça s'est très bien passé. Franchement, jouer avec des jeunes, c'est très agréable, et surtout des musiciens qui découvrent, tout comme moi, cet univers. On s'entraide tous, et donc on a vraiment envie de continuer sur cette voie-là. Bon, alors, pour faire parler de vous, on doit vous suivre sur quoi? Sur Facebook, Instagram et j'ai bien sûr Spotify et toutes les autres plateformes. Sur Facebook, c'est Margot Jacquard. J'ai mis mon nom en entier et sur Instagram aussi. Donc, bonne chance et que tout aille bien. Beaucoup de succès pour Margot Jacquard. Merci. Et beaucoup de succès pour le groupe Margot aussi. Merci beaucoup. J'ai Christophe Loyen qui est à côté de moi, c'est le directeur du Centre culturel de Chennai. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Et tu fais partie des membres du jury de ce Imagine 2021, cette finale. Alors moi ce que j'aimerais bien savoir, dans les critères officiellement annoncés pour le jury, on parle de qualité musicale, de l'interaction avec le public, de l'originalité du répertoire, de l'innovation, de la préparation, de l'implication, de la finition. Est-ce que dans ces critères, il y en a qui résonnent plus particulièrement pour toi ? C'est vrai qu'en deux morceaux, c'est difficile de pouvoir apprécier une formation, une jeune formation comme ici. Mais je pense que la qualité de l'interprétation, la justesse musicale, je pense que c'est le premier critère, celui qui résonne vraiment dans mes oreilles. Le plaisir de la musique. Et puis je suis aussi attentif à l'occupation de la scène, parce que ce n'est pas une écoute de studio, c'est une écoute live. Et donc la manière d'entrer sur scène, la manière de sortir de scène, la manière de l'occuper, je pense que c'est vraiment important. C'est vrai que ça donne un spectacle complet. On n'est pas sur une écoute religieuse au casque. Il faut qu'on vive quelque chose. Alors, tu es le directeur du Centre culturel de Chennai. Qu'est-ce que le Centre culturel peut proposer à des jeunes artistes comme ceux qu'on voit défiler ici? Alors, une des caractéristiques des centres culturels, c'est qu'ils ont la possibilité d'accueillir en résidence des musiciens, des compagnies de théâtre et autres. Et donc, en particulier chez nous, nous avons cette spécialisation de résidence artistique. Et donc en l'occurrence ici nous ferons vraiment un plaisir d'accueillir l'une ou l'autre formation pour un moment de coaching, un moment de résidence, donc prendre le temps dans de bonnes conditions techniques et humaines de travailler son répertoire, de travailler l'occupation de scène pendant un jour, deux jours ou trois jours. On espère que ces musiciens, ces jeunes musiciens en profiteront et pourront utiliser tous ces bons conseils pour faire démarrer leur carrière. Alors c'est pas simple hein, de juger et comparer des choses qui ne sont pas comparables puisque tous les styles musicaux sont dans la nature. Est-ce qu'il y a... C'est le coup de cœur qui C'est le cœur qui va parler, ouais. C'est clair. Bon. Alors on va laisser parler le cœur, on va d'abord le laisser écouter le reste des finalistes de cette séance. Merci beaucoup Christophe. Merci Stéphanie. Et le prochain groupe est un duo, on reste en Wallonie avec le groupe verviétois Chirokuro, rock, pop, électro. Je vous demande de les accueillir, Chirokuro. Mmh.
of darkness, I'm fearing of you, I'm fearing of myself, and what happens to you. Even if I'm afraid of the things that I've done, when I think of myself, what you say is wrong. I'm proud of you. Song is about how you can take all the little pieces of joy out of your inside shadows, and it's called Good Times. It's one of the first songs I ever wrote. Thank you.
I never knew the shell to cast the rules of the sun to your life. The birds who flew off the tree are your guide to good times. I am feeling alive. Good times. I am feeling alive. Good times. Try again to find a piece of joy in your shame. Things slow it down to taste it every way you can. The birds who wanted to fly against you will fail and nourish the grass of your good times. I am feeling holding your hand on theater hall, a candle in the dark that only you see, that only you grow, that only you feel. The system's down, the making of birth will probably end us in their fingers. We draw you. We'll be happy tonight and tomorrow. J'ai maintenant à mes côtés Nathanaël du groupe Shirokuro. Alors pour commencer, d'abord bonjour, merci d'être à mes côtés là maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire Shirokuro ? Shirokuro c'est un mélange de deux mots japonais, Shiro qui veut dire blanc et Kuro qui veut dire noir. Et ça fait référence à plein de choses, ça fait référence au fait que je sois métisse, mais aussi au fait que mes musiques mélangent beaucoup de trucs obscurs et des trucs beaucoup plus éclairés. J'ai vraiment un rapport particulier en musique avec la lumière, que ce soit dans ce projet-ci ou avec mes études au conservatoire. Et du coup, voilà, Shirokuro, c'est le mélange parfait. En plus, c'est ma maman qui a trouvé le nom. Bravo donc, maman, voilà. Les mamans ont de bonnes idées. Exactement. Comme par exemple d'inscrire son fils au conservatoire, visiblement. Mais tout à fait. Alors, conservatoire... En violon, j'imagine, pas en ukulélé. Pas en ukulélé, même si j'aurais pu. Mais non, même pas en violon non plus, en composition de musique contemporaine. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, j'hésitais avec beaucoup de choses, le violon, le solfège, la musique contemporaine que j'écoute beaucoup et que je pratique également. Et voilà, je me suis dit, la musique contemporaine, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'ai envie de voir si je peux aussi utiliser ce que je vais apprendre de la composition en conservatoire dans mes musiques à moi, dans d'autres projets extrascolaires. Et voilà quoi. Je termine mon bachelier, direction de master, et on verra bien.
Et votre duo, il s'est construit au conservatoire aussi ? Oui, exactement. J'ai commencé Shirokuro il y a 3 ans, 4 ans, quelque chose comme ça, on va dire. Et en fait, quand je suis arrivé au conservatoire, je sentais que j'avais besoin de quelque chose de plus derrière moi. Parce que tout ça avec la violon électrique, certes, ça peut rester au niveau de l'image de l'artiste, mais je sentais que j'avais besoin de quelqu'un pour être plus confiant, etc. Et en fait, Louis est guitariste depuis des années et des années, et j'ai rencontré au conservatoire puisqu'il est en composition avec moi, et je lui ai proposé, il a direct dit oui, et ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble activement. Et guitariste, pianiste il fait de tout, un peu de basse aussi, voilà. Voyons, pourquoi pas. Bon, allez, c'est le moment pour la minute promo. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite de Shirokuro ? Pour la suite, eh bien, on verra bien, mais dans tous les cas, on peut me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter maintenant, YouTube, LinkedIn, Instagram. Non, je t'ai plus. Tout ce qu'il faut, exactement. Bon, mais bonne chance pour la suite. Et, merci beaucoup. The Vocal Band in the Finale is an R&B soul pop duo uit Herentals. Dames en heren, een enorme applaus voor Gloria Diana Maria. Get to you, but you never home. Whenever I hit up your phone, I'd rather be with you tonight, 'cause you're the one that treats me right. I wanna spend my lifetime with you, with you. I'd rather be with you tonight, 'cause I'm devoted to you day and night. I wanna spend my lifetime with you, with you. How do I tell you that I wanna be more than just friends without an end, without an end? I'd rather be with you tonight, 'cause you're the one that treats me right all day and night. I wanna spend my lifetime with you, with you. I'd rather be with you tonight, 'cause you're the one that feeds my soul inside. I wanna spend my lifetime with you. I just want to say that this is such a magical experience for me, for us. We're really happy to be here. This was a song called I'd Rather. We actually wrote it together.
The next song is Trying. I hope you all enjoy. And from the duo Gloria Diana Maria, here is Gloria. Hallo. Hallo. Proficiat, hoe voel je je nu? Ik voel echt nog steeds de zenuwen eigenlijk een beetje van mijn lijf komen. Ik ben kei blij. Ik ben super opgelucht dat het gedaan is en dat ik het ook heb kunnen doen. Ja. Daarom ik voel me dat echt je ervan geweldig. Hebt kunnen genoten. Ik heb er echt heel hard van genoten en het is echt lang geleden dat ik zo nog echt heb kunnen genieten van muziek maken en echt. Wanneer zijn jullie begonnen samen te spelen? Omdat men voelt een heel grote kennis van elkaar. Jullie kunnen elkaar heel goed steunen, dat is wel zichtbaar. Wij zijn samen, Vladimir is mijn vriendje. En wij hebben elkaar eigenlijk leren kennen via een ander project van een klasgenoot van mij. Die hadden nog een zangeres nodig voor een klein projectje van hun band. Uh-huh. En Vladimir zat dus toevallig in die band en van het ene is het ander gekomen en we zijn nu samen en we zijn samen muziek beginnen schrijven, want ja, we wisten uiteraard van elkaar dat we muziek deden en dat we dat graag deden en we hebben eigenlijk een middenweg gevonden van de verschillende genres die dat wij graag horen en we hebben zo bijvoorbeeld R&B muziek. We zijn allebei heel geïnteresseerd in R&B muziek. Vladimir is ook super geïnteresseerd in rockmuziek en ik dan weer in reggae-muziek, maar toch hebben we zo
toch hebben we dat middelpunt kunnen vinden waar we allebei echt ons volledig voor kunnen geven. En we hebben dat proberen over te brengen op het podium. Dat was duidelijk een heel goed idee. En wat komt in de toekomst voor jullie twee? In de toekomst? Op muzikaal gebied. Voor de rest moeten wij niets weten. Ik zou heel graag meer nummers schrijven en een EP uitbrengen zelfs. Als het kan, want momenteel, ja, we zijn nog niet zo heel lang bezig met samen nummers schrijven. Maar er komt zeker nog wel. En de mensen gaan zeker nog van ons horen, sowieso. En waar kan iedereen jullie volgen? Ik heb een YouTube-kanaal, gewoon Gloria Diana Maria. Er staan ook covers op mijn kanaal. En dan van ons met twee ook covers en een eigen nummer. Dus daar kunnen jullie mij op vinden. En op Facebook ook. Gloria Beerten. Daar staan ook een paar video's op. Oké, wel bedankt. En veel succes voor de toekomst. Dankjewel. And so I will now have as a guest the director of JM International, so Jeunesse Musicale International, Matt Clark. Welcome. Thanks very much. It's a pleasure to be here. Programs director. Oh, programs director. I'm sorry. I'm getting there. Still a few heads to chop. Yeah. So, Julien said earlier that we are very happy that, well, the Belgian program is back and the international program is going to be hosted in Brussels in the Botanique in September. That's very good news. Exactly. We couldn't be more happy that Imagine's back in Belgium. It's been way, way, way too long that we haven't seen such wonderful Belgian musicians on stage. We've been missing them at the international final every year. It's been really sad. So we're extremely happy to have Belgian musicians back in Imagine. And we're even more happy to be back at the Botanique. And we're coming in September with all the international finalists for the Imagine International Final 2021. And so how will it happen? Because we know we know for sure that we won't be sure about how traveling will be possible. So how about Brazilian or Zimbabwean groups? Will they be allowed to be here? Well, like you said, the only thing that's certain now is uncertainty. So we just take it one day at a time. We hope that Europe will recognize the vaccines that are being handed out in Brazil and in Zimbabwe. At the moment, not. So if they don't, it'll have to be video participation. But fingers crossed, we'll have all the bands here from all 8 countries. Let's hope so. And can we hope for any other surprise for September? They'll be full of surprises, but you'll have to come to the Botanique on the 4th of September to check them out. But Imagine, it's always full of surprises. Today, they've been such wonderful artists so far. We're looking forward to the rest. So I think, you know, that's why we do Imagine, is to give a showcase, to give a stage, to give a platform for amazing, amazing young musicians, only 21 and under. I mean, it's such talent, it's amazing. It's incredible. Well, appointment is made. Thank you, Matt. So you've heard it, be there. First week of September. See here in Brussels. Botanique. See you in Brussels. Thank you. Dames en heren, we zijn er voor de laatste gedeelte van Imagine 2021, de grote Belgische finale. Wij hebben bendes van 6 muzikanten gehad, 5 muzikanten gehad, 4 muzikanten gehad, 2. En nu hebben wij een solo. Een solo singer-songwriter indie pop uit Brugge. Dames en heren, een enorm applaus voor Jen. In blue. At first I thought you were pretty, but now I think you're kind of skinny, and you never liked my clothes anyway. But your family still misses me. They send me messages, how are you doing? They tell me how you've ruined everything they say, 'cause you don't
my bedside is coming your way. I'm dressed in black, you're in blue. In some way you always do. And I fell in love with a girl in the streets. And I don't even like girls, but since I've been with you, boys give me the creeps. Boys give me the creeps. You only call me when it's 1 a.m. in your bored by the internet. And I said I loved you, but I think I lied. Well, I guess it's just because you're satisfied. Oh, call 911, 'cause I've got a drinking problem enough. I've thrown my ex-boyfriend's bike into the ocean. Oh, and he's broken, but I'm too. So I guess it's just me and not you. Dressed in black, you're in blue. In some way you always do. And I fell in love with a girl in the streets. And I don't even like girls, but see, I am not.
and I'll tell you, breathe me in, and I'll breathe you out myself. I've gotta reach you, feel you, hold you, I need you, help myself. You can ask me and I'll tell you, breathe me in, and I'll breathe you. Studio met Jen. Hallo. Hey. Proficiat. Dankjewel. Dus ik heb één vraag. We hebben meestal groepen gezien, banden gezien van minimum 2, maximum 6 mensen. Jij staat daar alleen op het podium. Is het een vrijheid voor jou om alleen alles te kunnen doen? Ja, ergens is dat wel leuk, omdat je inderdaad alles alleen kan bepalen wat je doet. Maar ergens, ja, is het ook heel leuk. Ik speel bijvoorbeeld nog in een andere band. Het is heel leuk om mensen rond je te hebben en samen muziek te kunnen maken. Dus ik vind alle twee heel leuk. Sowieso, deze zomer speel ik nog heel de set dat ik normaal gezien speel met Jen, nog alleen. En dan daarna, in het najaar, is de bedoeling om met band te beginnen spelen en er een geheel van te maken. Maar dus ik vind het alle twee even leuk. Je geniet van beide kanten. Ja. Alleen en met een band. Ja. Dat is leuk. Ja, en waar haal jij jouw inspiratie? Mijn inspiratie? Van heel veel kanten. Voor dit project haal ik vooral inspiratie uit artiesten zoals Joni Mitchell. Phoebe Bridgers is iets recenter. Heel veel singer-songwriters. Ja, ik denk dat vooral Phoebe Bridgers eigenlijk het grootste ding is voor mij. Referentie voor jou. Ja. Wow. Helemaal niet slecht, denk ik. Dat is een goede keuze. En wat komt dus in de komende toekomst? Hoe kan iedereen hier weten waar je allemaal aan het spelen, zingen bent? Alleen of met bandes? Ja, voor van de zomer is er een tour. Dat kan je allemaal op mijn Instagram en Facebook en Vibe en al die platformen zien. We zijn bezig aan een nieuwe single, dus die komt ook in het najaar gaat dat ook zijn uit. Dus als je me van de zomer wil zien, dan kijken op Facebook en kijken op Instagram en daar ga je het allemaal vinden. Jij volgt eigenlijk een muzikale opleiding als singer-songwriter. Waar doe je dat? In Hasselt, in PXL Music. Ik zit daar nu in mijn tweede jaar singer-songwriting zang. Dus ja. En zou je daar zeker mensen sturen voor hun eigen opleiding? Ja, of dat ik mensen daar naartoe zou... Ja. Zeker. Super, super los. Je bent helemaal... Alles wat je creatief zelf wil doen, kan je doen daar. Ik heb daar ook heel veel inspiratie gehad, ideeën gekregen, zelf gezien van... Oké, daar wil ik echt wel... Dat wil ik doen. Daar wil ik naartoe. Dus ja, zeker. Absoluut. Als je de kans krijgt, ga daar naartoe. Veel succes, Jen. En wij zullen jou zeker volgen. Dank je wel. Merci. Et c'est une autre membre du jury qui est à mes côtés. Il s'agit de Marianne Binard de la semaine du son de Week van de Klank, une semaine bilingue. Mais en quoi consiste-t-elle exactement? Mais la semaine du son, c'est un espace de découverte pour le public de tous les métiers qui touchent au son.
un peu dans tous les domaines en fait, pas uniquement dans le domaine de la culture, mais aussi dans le domaine de l'environnement, de la santé auditive, de la diffusion. Et la culture évidemment prend une grande place dans notre programmation. Nous programmons effectivement des concerts, des performances, des installations sonores. Il y a aussi beaucoup d'ateliers découvertes pour le public. Et pour l'accueil des concerts, en fait, nous demandons toujours aux artistes d'avoir un moment privilégié avec le public, où le public peut apprendre quelque chose de la manière dont les artistes ont travaillé, du contexte, de leur démarche, pour pouvoir aborder un petit peu la culture différemment et comprendre un peu à travers cet échange avec le public. Nous proposons effectivement aux artistes émergents de participer à la Semaine du Son, mais aussi à des artistes qui sont déjà connus, en leur proposant un espace laboratoire où ils peuvent tester de nouveaux projets sans enjeu, comme ça peut être dans les festivals ou lors des tournées, etc. Je voudrais ajouter que toutes les activités de la Semaine du Son sont gratuites, ce qui est important, donc ça amène dans l'espace de la Semaine du Son un public non averti aussi, qui vient parfois pour la première fois au concert et qui découvre de cette manière les activités. Mais c'est un très très beau projet. Et dans le cadre précis de ce festival, de ce concours Imagine, qu'est-ce que les jeunes finalistes qu'on voit aujourd'hui peuvent trouver auprès de vous? Mais en fait, ce que je propose au nom de toute l'équipe de la Semaine du Son, c'est une scène en avant-première probablement, mais c'est un peu difficile de prévoir à l'avance. Mais voilà, un espace où ils peuvent avoir un contact avec le public et tester leurs premières expériences musicales Les premières de leurs nouveaux projets. Voilà. Eh bien, on espère qu'ils vont se retrouver chez vous et qu'il y aura de belles rencontres qui seront faites. En attendant, on va continuer à découvrir les prochains candidats. Oui. Merci. Enfin, les prochains finalistes, pardon. Merci beaucoup, Marianne. Je vous en prie. Et bon travail. Merci. Cette fois-ci, le concours Imagine nous emmène du côté de Perruet pour une autre soliste, une singer-songwriter avec un univers complètement différent. Mesdames et messieurs, accueillez Marie Mahouet. Susurre-moi des mots doux, raconte-moi les jours heureux, dis-moi que ça en vaut le coup, que c'est beau d'être amoureux. Mens-moi juste le temps d'une soirée, je pourrais presque y croire avant de rentrer. Fais-moi croire que tout sera facile, que comme on s'aime, tout ira bien, la vie ne tient pas qu'à un fil et qu'à deux, on ne craint rien. Raconte-moi un monde rien que pour nous, je m'y réfugierai dans les mauvais coups. C'est tellement plus facile de se voiler la face, jouer à l'imbécile, le temps d'un instant fugace. Je sais que le réveil sera douloureux, mais rien ne vaut la sensation d'être amoureux. Parle-moi de toutes tes réussites en omettant tous tes échecs. Aide-moi sans que je ne te sollicite, admire-moi comme une déesse grecque. Fais-moi croire que rien n'importe plus que d'être là dans le froid, devant mes yeux émus. C'est tellement plus facile de se voiler la face,
de jouer à l'imbécile, le temps d'un instant fugace. Je sais que le réveil sera douloureux, mais rien ne vaut la sensation d'être amoureux. C'est tellement plus facile de se voiler la face, de jouer à l'imbécile, le temps d'un instant fugace. Je sais que le réveil sera douloureux, mais rien ne vaut la sensation, mais rien ne vaut la sensation, mais rien ne vaut la sensation d'être amoureux. Hello everybody, goedenavond iedereen, bonsoir tout le monde, guten tag, bom dia, hola, no matter what you prefer. So as you've heard, I am Marie, and if you're wondering right now how it is that I look like your great-grandmother, but it's probably because I really do. And I also write songs that she could have enjoyed or heard when she was still a young lady. And so tonight I've chosen two specific songs. I have a lot of songs I talk about the history of a romantic relationship that doesn't go very well. And I chose those two songs because there are two very important moments in a romantic relationship. The first song was called Mens-moi, Lie to Me. And it's called about, it talks about the first rendezvous, the first date when you all lie a little bit just to make yourself look a bit better. And the second one, which is called Left Behind or Untamed, that's which one you prefer again. And it's just after the breakup, when you start to realize, yeah, maybe it's a bit difficult to live without the other person, and maybe when I told my friend I was okay, it was a bunch of lies. And I really hope you enjoy it. Lies. Maybe I can't cope without your eyes. I'm melting in my bones when you're away. It's just standing strong like you're untamed. I was naive, I thought your mind for good. I was screaming it as loud as I could, and now my lungs are filled only with pain. Seeing you standing strong, always untamed, pride took over my common sense. You cannot cage a bird that can charm with just one glance. I should have bothered reading the signs. Now all I am is left behind. I made myself blind to what I didn't want to see. My ears are shutting down at the rumors right behind me. It's like all my senses are burning up today. Knowing you still look strong and so untamed. Pride took over my common sense. You cannot cage a bird that can charm with just one glance. I should have bothered reading the signs. Now all I am is left behind. I should have bothered
Thank you very much to all of you, and thank you to everyone who is involved in the Imagine contest, because it's been a great opportunity for all of us tonight, and I've never thought I could even set a foot on this stage. So thank you very much. Everyone did such a wonderful job, and I'm very happy to be here. And have a great evening. Et Marie Maoué m'a rejointe dans mon petit studio pour discuter un petit peu et faire connaissance. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, la manière à laquelle tu te présentes en disant « ne vous étonnez pas, ne soyez pas surpris quand vous me voyez, si vous avez l'impression que je ressemble à votre grand-mère, c'est probablement parce que c'est vrai », ça vient d'où cette attirance ou cette... En fait, j'ai toujours aimé les choses vieilles, les vieux meubles, les films d'époque. Et depuis un peu plus d'un an, je m'intéresse à la mode vintage et rétro. Et donc, j'ai récupéré notamment des choses de mon arrière-grand-mère, comme ce chapeau. Très très joli d'ailleurs. Ou une robe de ma mère. Ou des bijoux de ma grand-mère. Enfin, je porte toujours le matriarcat sur moi, on peut dire. Donc, ouais, j'adore juste avoir des choses qui ont déjà vécu sur moi avant. Mais on mélange vraiment toutes les époques, puisque arrière-grand-mère, grand-mère, maman... Oui, oui, bah, les années 30, les années 60, les années 80, il y a tout. Ah oui, j'allais dire, est-ce qu'il y a un plafond, est-ce que... Non, tant que ça a l'air d'être vers les années 50, 30, ça va. D'accord. Et cette inspiration, elle contamine ta musique? Mm-hmm. Mais j'ai un frère aîné qui est guitariste professionnel et qui écoutait beaucoup de jazz. Et donc j'ai grandi avec lui qui jouait du jazz manouche et qui avait des groupes de jazz manouche et j'ai toujours adoré ça. Donc c'est plus ou moins la musique que j'écoute 90% du temps. Et mon petit ami est également saxophoniste de jazz. Donc Il y a quand même un bain, on peut dire. Oui, hein. Oui. Une grosse influence. Tu as toi-même une formation musicale? Oui, j'ai fait 11 ans de piano classique, 5 ans de chant lyrique, plein de stages de chant jazz avec Barbara Wiernick, mm-hmm. notamment. Et un peu de musique de chambre, de djembé, enfin tout ce que je peux trouver, j'aime bien essayer parce que c'est tellement chouette de faire un peu de tout. J'ai envie de te poser la même question que j'ai posée à Jen. Toi, vous êtes les deux seuls à vous être présentés seuls mm-hmm. sur la scène de Imagine. Est-ce que c'est plus de liberté ou plus de charge? Bah, c'est surtout que je connais personne. J'aimerais beaucoup avoir des gens avec qui jouer, mais je ne sais pas qui ma musique intéresse et j'aurais besoin de musiciens un peu plus de jazz parce que j'ai aussi des chansons qui sont vraiment des thèmes et qui auraient besoin d'improvisation. Mm-hmm. Et donc j'attends de trouver des gens que ça intéresse si jamais. Le message est clair. S'il y a parmi nous, parmi vous, des musiciens de jazz qui sont intéressés par la musique de Marie, vous savez où la... Non, tu ne sais pas encore où la trouver. Où la trouve-t-on? J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Marie Maoué, simplement, comme ce qui est noté sur l'affiche. J'ai également une page Instagram qui s'appelle Marie MWT parce que je suis quelqu'un de très original et peut-être un jour une page Facebook, mais ça je ne sais pas encore. C'est déjà un bon début. En tout cas, beaucoup de succès et bien bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci Marie. De la jury lid die van daag in mijn kleine boot kan interviewen is Milo Meskens. Jij bent zelf een winnaar van Imagine 2014, ik herinner me nog dat ik jouw naam kon aankondigen als winnaar. Bedankt om aanwezig te zijn. Hey, super fijn dat ik erbij mag zijn. Het is inderdaad 2014, stond ik op hetzelfde podium mijn ding te doen. En ik ben heel blij dat ik erbij betrokken mag zijn nu Imagine terug een doorstart heeft. Mm-hmm. En voor jou is het een belangrijke start geweest? Ja, eigenlijk wel. Dat was een van de grotere wedstrijden waar ik aan meedeed. En vooral ook de eerste waar ik als winnaar uit de bus kwam. En niet alleen de ervaring zelf was heel belangrijk om te leren omgaan met grotere podia en publiek en zo. Maar ook gewoon die bevestiging van ergens de winnaar te zijn was voor mij persoonlijk wel heel belangrijk. En was ergens ook wel echt een soort officieuze start van mijn solo-carrière. En wat precies weet jij of herinner je nog van... Dat kwam echt van Imagine. Qua ervaring of wel misschien zelfs onmiddellijke duidelijke resultaten. Goh, ik denk sowieso gewoon hier staan in de botaniek. En dat was hier toen vol. En dat was ook de eerste keer dat ik denk ik voor een volle botaniek en voor zoveel volk. En voelen hoe ik had doorheen de course van Imagine echt wel moeten leren... Hoe dat je een publiek aanpakt. En hoe dat je, ik stond toen ook alleen op een podium. Hoe dat je eigenlijk met gitaar en een stem en de juiste bindteksten mensen toch echt wel hun aandacht krijgt en stil krijgt en meekrijgt in je verhaal. En ik denk dat dat een heel groot verschil was wie ik als artiest was aan het begin van mijn concours en op het einde van Imagine als we hier stonden. En mocht je nu een advies geven aan al die finalisten die we vandaag hebben gezien van alsjeblieft doe dat niet of... Doe dat zeker. Wat zou het zijn?
Dat is een heel goede vraag. On the top of my head, er heeft mij ooit iemand gezegd, the only way not to succeed is to quit. Dus de enige manier om niet te slagen in je doelen is door gewoon het op te geven. En echt waar, dat klopt zo hard. Gewoon blijven proberen en blijven gaan. Ik liet het daarnet vallen. Dit was de eerste wedstrijd waar ik ooit als winnaar uit de bus kwam. Maar er zijn er 700 voor gegaan waar ik absoluut niet als winnaar uit de bus kwam. En elke ervaring maakt u wel gewoon wat rijker en wat beter in wat je doet. En op een gegeven moment zijn er wel mensen die wel in u beginnen te geloven. Dus als je echt een doel en een droom hebt, gewoon blijven ervoor gaan. It doesn't matter how much it takes. Blijven doen, dat is heel, heel belangrijk advies. Wel, jij hebt verder gedaan. Er zijn veel nummers die nu opgenomen werden en wel luisterbaar zijn. Wat is nu uit de pipeline voor jou? Wat is in jouw toekomst? Ik heb nu net mijn eerste twee singles van mijn komende plaat gereleased, die nu in Vlaanderen all over the place een beetje op de radio zijn, wat heel tof is, heel blij daarmee. De festivals komen ook terug, dus van de zomer ga ik eindelijk nog eens op een festival mogen spelen en dan als die plaat uitkomt ook clubshows en zo. Dus eigenlijk vertrekt de trein nu terug helemaal en daar ben ik heel blij om. Ik ben heel blij om dat te horen. Proficiat. En wel, blijf zeker naar Milo luisteren. Volg hem overal. Hè? En wel, bedankt. En voor jou is de job nog niet gedaan. Nee, ik moet nog jureren. Ik moet hoeveel zijn er? Nog twee of één? Nog één iemand, nog denk één. Ik. Eén iemand. The final act. Last but not least. Inderdaad. Dus blijf met jouw concentratie bezig. En daarna zal het moeilijk zijn om te kiezen, omdat alle genres zijn zo verschillend. Ik mocht daar nog niets over zeggen, over beoordeling. Ik wil niet weten wie je aan het kiezen bent. Ik was aangenaam verrast van het niveau. Er zitten echt een paar superstraffe dingen die niet alleen straf zijn binnen het concept van een muziekwedstrijd, maar ook gewoon daarnaast. Echt wel, moest ik dit op een festival gezien hebben, dat ik dacht, wauw, dit is echt goed. Dus ik denk dat er wel heel veel talent aanwezig is vanavond. En we zullen wel zien wat uit de bus vandaag komt. Bedankt, Milo. Last but not least, on arrive à la fin de cet après-midi de la finale d'Imagine 2021. Et je vous avais dit que c'était un concours ouvert à tous les styles musicaux. On est loin d'avoir fait le tour. Hein. We zijn heel ver van een volledig overzicht van wat muziek kan eigenlijk brengen. Maar er ontbreekt een heel belangrijke muziekgenre en dat is klassiek muziek. Dat komt nu met onze laatste duo uit Turnhout. Dames en heren, Jens en Isabel. Thank you.
vanuit het duo Jens en Isabel. Hier is Isabel. Hallo. Hallo. Dus mijn eerste en heel belangrijke vraag. Jullie zijn de enigen die eigenlijk niet gesproken hebben. En we zijn heel benieuwd. Wat programma hebben jullie gespeeld? We hebben van Robert Schumann de eerste vioolsonate, het derde deel, Lebhaft gespeeld. Een reden voor deze keuze? Wij hebben deze sonate opgenomen in de tijd dat er geen liveconcerten waren. En het derde deel hadden we niet ingezonden voor de finale. Dus was het wel een logische keuze dat we dit deel gingen spelen. Om een beetje verrassing te houden, ja, voor de jury. Dat is heel lief. Jullie kennen elkaar vanuit de conservatorie van Antwerpen? Ja. Viool en piano, veronderstel ik. Ja. Spelen jullie vaak samen? Dit was de eerste keer dat we samen hebben gespeeld. En hopelijk komt er nog meer. Maar... De eerste keer bedoel je niet vandaag? Hè? Dat project dat we toen hebben opgenomen, ja. En we hadden een beetje vroeger een klein gesprek in de loge. Mm-hmm. En je zei, zeg alsjeblieft dat klassiek muziek niet saai is. Maar inderdaad, het is eigenlijk, dat is wel spannend. Het is heel spannend en een beetje... Rock and roll ook, hoop ik, dat we hebben gebracht. En ja, met veel animo. Klassieke muziek is helemaal niet saai. Dus ja. En er is zoveel stijlen, zoveel mogelijkheden. En wij zijn heel blij dat we hier aan mogen staan tussen al deze diverse supermuzikanten. En wij mochten dan toch klassiek brengen. Maar jawel, dat hoeft. Ja. Jullie hadden wel een juiste plaats op het podium vandaag. Dank je. En wel, wat komt in de toekomst? Gaan jullie blijven spelen, samen blijven spelen? Ik denk het wel. En ook nog veel andere concerten in andere context. Kamermuziek, solo, in een orkest. Noem maar wat. Alles. Wanneer zijn jullie afgestudeerd van het conservatorium? Jens heeft nu zijn bachelor 3 afgerond, dus nog 2 jaar. En ik heb nu mijn bachelor 2 afgerond, dus nog 3 jaar. Dus nog een beetje oefenen, werken. Veel werk. En zweten. Ja. Wel, veel succes voor jullie twee. Dank je. Hopelijk zien we jullie nog in de toekomst. In veel concerten. Ja. Dank je wel, Isabel. Dames en heren, zijn jullie klaar? Est-ce que vous êtes prêts? De jury heeft gesproken. Alle resultaten zijn hier. Binnen een paar momentjes zullen wij de laureaten kennen van de Imagine-wedstrijd 2021. En de winnaar is... De winnaar is... Ventus! Thank you to everyone, and we are very happy, and we think this is a great opportunity for us, and we will do a lot with it, so thank you. From congratulations, proficiat, bravo! Felicitations à tous, proficiat iedereen. Het is nu zover, de grote finale dag van Imagine 2021 is nu gedaan. Wel, afspraak is tussen afgesproken voor september, voor de internationale finale van Imagine. En hopelijk veel succes voor onze Belgische... Voor onze Belgische laureaten. Ja? Oké, we zien elkaar terug in september. Rendez-vous en september voor de grande finale Imagine Internationale. À très bientôt. Merci à tous.